l'ange numéro 37, Haniel. Il régit du 24 au 28 septembre. Il est l'ange du changement. Avec son énergie, on peut stopper les vieux cycles karmiques, se libérer des schémas répétitifs dans notre vie qui nous créent des difficultés pour passer à une nouvelle étape. Avec cet ange, nous pouvons développer les qualités suivantes. Brise les vieux schémas. Aide à comprendre les cycles de la vie et de l'évolution. Étude de l'histoire, des causes et des conséquences. Compréhension de la loi du karma, du fait qu'on attire ce qu'on est et qu'on récolte ce qu'on sème. Changement de mentalité, nouvelle idée. Développe une volonté d'indépendance. Aide à purifier les mémoires négatives en lien avec la sexualité, la dépendance affective, ainsi que toute autre forme de dépendance. Maîtrise face aux impulsions intellectuelles et émotionnelles intenses. Autonomie spirituelle. Libère des forces et émotions négatives. Porteur de nouvelles sciences et de nouvelles conceptions de l'univers. Encourage la nouveauté. Nous pouvons rectifier les faiblesses humaines suivantes. Difficulté, refus ou peur de changer. Tendance à vivre dans les mémoires du passé. Philosophie matérialiste, mentalité trop terre à terre. Incompréhension ou ignorance de la loi du karma, du fait qu'on récolte ce qu'on sème. Résistance face au nouveau courant. Attachement aux structures, à ce qui est ancien. Assujettissement à la matière. Tournant rond en ressassant les mêmes pensées. Lutte acharnée pour maintenir le statu quo. Charlatan, esprit pervers et trompeur. Traditionnaliste farouche. Dépendance de toutes sortes. Parle de ce qu'il ne connaît pas. Nous pouvons l'invoquer dans les situations suivantes. Changement en général. Dépendance. Détachement.
douce pensée angélique.